Ok, alors, je peux pas l'utiliser. De plateau là. J'ai un plateau aussi, mais je peux pas allumer. Sur de grands plateaux au sol, je veux dire, je sais pas si c'est ça. Okay, j'ai un bouton que j'ai allumé. Alors moi il est sur une table, mais j'imagine que ça fait correspond. Ah oui, il va falloir que je passe quelque part sans doute. Moi j'ai l'impression d'avoir des trucs au bout en fait, mais. Ok, là ça a l'air. C'est bizarre, j'ai une vision. Ok. Ok. Ah, attends, j'ai une porte qui s'ouvre. Alors j'ai deux trucs spécifiques, j'ai des vitraux et une table avec un chuteur. Attends, parce que j'ai un livre. What have I done? Qu'est-ce que j'ai fait? Par contre, j'arrive pas à voir ce qui est marqué. T'as des vitraux avec? Excuse-moi. J'ai des vitraux, moi, ouais. J'ai des vitraux aussi. Ah! Ok, donc ça doit signifier quelque chose. Attends, ils sont trois parties les vitraux. Oui. Sont-ils par hasard désassemblés de ton côté? Non. Ah, par contre, je peux les prendre et les changer de place, a priori. Et moi, je peux que les regarder. Voilà, voilà. J'en ai trois. Est-ce que tu as trois vitraux à faire? J'en ai six, moi. J'en ai six, ça. Mais du coup, est-ce que... ouais. Ah, faut que je trouve où est-ce qu'ils vont, quoi, surtout. Parce que je peux prendre des pièces, mais il faut que je trouve où les mettre. Ah oui. Ah oui, peut-être plus loin, t'as un truc à trois à faire, ok. Un truc à trois. Je sais pas trop, attends, je vais marcher sur un truc, là, mais je sais pas si ça va faire quelque chose. Non, ok, ça fait rien. C'est les mêmes des deux côtés. Ah! Ok. J'essaie de voir où est-ce que je peux mettre les vitraux en fait. Ah, je sais. Ok. Attends, je vérifie, mais je pense que je sais où ils vont. J'aimerais trop te créer un jeu comme ça. Il fait encore plus tordu que les deux. Très bien. Alors, il va falloir que tu me décrives tes vitraux. Alors, le premier. Oui. La partie du haut, donc c'est toujours des bonhommes de toute façon. Oui. C'est un bonhomme barbichette. Attends, chevalier ou roi? Roi. Ok, attends, je regarde mes rois, combien j'en ai. Ouais, ok. Est-ce que la couronne est différente sur... La couleur de l'armure. Couleur? Je peux dire les signes qu'il y a dessus, ce serait peut-être plus simple. J'en ai un qui a une armure noire et un qui a une armure rouge. Ah ouais, non mais j'ai pas cette différence de couleur moi. Il a les épaulettes avec des fleurs dessus, des signes de fleurs blanches dessus. Ouais. Et il sur regarde à gauche ou à droite? Il regarde à droite. Enfin, il regarde au centre mais son visage est tourné vers la droite. Vers la droite pour toi qui regarde en face, ouais d'accord. Pas ouais. Et ce sont torse, c'est des lions ou de trucs du genre avec une couronne rouge. Tac, oui mais quelle droite. Tu sors. Ok, je l'ai. Oui, c'est par rapport à nous qui regarde à droite. Hein. Pas par rapport à lui. Par contre, du coup, j'ai trois positions de... Le premier, c'est le premier qu'on décrit. Là. Ouais, mais il est à gauche, à droite ou au centre? À gauche. Ok, c'est bon. Je suis la pièce du milieu. C'est une femme. Oui. Avec une épée qui lui transperce, on pourrait même dire le cœur. Ouais. Elle se tient le torse de sa main droite et sa main gauche, on voit même pas. Elle a les cheveux très longs, visiblement. Ah non, c'est du sang peut-être. Ah non, 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 elle a juste une. Elle a des cheveux. Cheveux courts. Oh non, elle a une tresse. Qui passe à côté de l'épée et c'est une barre de sang sur la droite. Ah, c'est une grande épée? Ah oui, 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 avec des épines qui sort. On en voit 4 épines, je dirais. 1, 2, 3, 4. Ok, la garde. Une armure, la femme. Hein. Ah non, non, non. C'est une paysanne. Je l'ai. D'accord. Et le bas?
Je regardais un autre du bas, un autre bas parce que je... Ah, là, ce serait des sapins, là, ce serait des... Moi, il y a des arbres... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh. Putain, il y en a qui sont en cristaux, il y en a qui sont... Du où? Non, c'est... Du où? Ah oui, peut-être le centre. Ah, je... Le centre, c'est un hôtel avec un bonhomme qui écarte les bras vers le bas. Ouais, comme s'il était trop musclé. Voilà, je dirais ça. Ouais, ouais, c'est Jean-Claude, il passe sur la porte. C'est ça. Attends, j'en ai un là, je vais voir si j'en ai un autre. Et oui, avec du où autour. Ouais, c'est ça. Du moment qu'on se comprend. Oh, musclé, passe pas la porte. De toute façon, ce mec-là, j'ai l'impression que je l'ai qu'une fois. Donc, hop, ok. Ça voilà, on a fini le premier vitrail. Ok, deuxième vitrail. Ouais. C'est un. Ça fait rire, par contre. Attends, je regarde si ça fait. J'ai pas l'impression que ça fasse quelque chose. Ça m'inquiète un peu, parce que tout à l'heure, ça faisait des choses. Bon, pas toujours. Ok, bon, vas-y. Le. Et puis, on a du temps, je pense que. Alors, le deuxième, c'est chevalier, mais attends, c'est quoi ces chevaliers? Ils ont une, un casque tête de loup ou quoi? Tête d'ours? Un casque, hein? Non, parce que les, quoi, le devant... Oui, 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 oui. Okay. Donc, bon. Donc ils ont on... ça, donc... Donc, du coup, on... Ok, chevalier. Oui. Barbe... Oui, ils ont tous ça. Ah bon? Ouais, parce qu'il y en a... enfin, le suivant, il a une barbe longue, hein. C'est une barbe moyenne, on va dire. Épaulette. Ah, il y a les différentes longueurs de barbe. Ah oui. Putain. Épaulette, fleur blanche fermée dessus. Oui. Torse, un animal avec une couronne qui tient une épée avec des pointes. Ok, regarde qui va vers la gauche. La sienne ou la tienne? Ma gauche à moi. Ah non, il regarde à droite lui. Bah attends, c'est que c'est pas celui-là. Je crois que j'ai le même, mais avec le... Ok, donc le regard à droite, j'en ai un là. Barbe longue, hein. Y a plus long. Non, c'est pas ça. Ouais, ok. Donc vers la... son regard vers la droite, on est d'accord. C'est ça, épaulette, fleur blanche fermée, et torse, animal, couronne qui tient une épée. Oui, ok. Il va au milieu, celui-là? Oui. Yes. Next. Alors, ensuite au centre, nous avons une femme en armure. Casque avec des petites ailes. Qu'aucune femme, on dirait qu'il y a une barbe là. Ah, peut-être un homme. Non, j'ai pas d'homme. Bah, c'est une barbe ça. Une barbe blanche. Bref. Trois flèches dans le torse. Il tient un arc dans sa main droite. Sur ses épaulettes, ce sont des oies. Ou bah non, je sais plus comment ça s'appelle le truc avec. Il y a une sorte de petit médaillon accroché à l'arc. Affirmatif, vert. Ouais, ok. Ok. Et le bas? Forêt de sapin. Ça, par contre, j'en ai plusieurs, donc va falloir être. Plus précis? Est-ce qu'il y a des feuilles autour de la forêt de sapin? Enfin, est-ce qu'on est au milieu des arbres, en gros, quand on prend la photo? Ah oui, d'accord. Les sapins sont qu'au centre, et autour, effectivement, on est comme si on avait des arbres de près. On voit tout feuillu, les branches. Ouais, attends, je regarde s'il y en a un autre qui correspond. Et en dessous, on a de la terre, parce que c'est marron pour moi, mais... C'est des sapins, hein, d'accord, on est d'accord. Oui, je dirais des sapins. Hein. Ouais, puisque maintenant il y en a un, c'est d'autres arbres, j'ai l'impression. Mais c'est quoi les autres arbres? Les arbres classiques, on va dire. Mais ceux-là, ça a bien la forme de sapin, celui que j'ai vu dans la main. Donc. Ouais. On va bien voir, hein. Ouais. Écoute, allez. Clac, ça fait deux. And the last. Oui. Chevalier, barbe longue. Et quel côté il regarde déjà? Il regarde vers ta droite. Mais horrible quand on se trompe. Ah, d'accord. Ah oui, parce que du coup, vous trouvez là où on s'est trompé. Épaulette, comme d'habitude, fleur blanche fermée. Oui. Son torse, on ne voit rien. Oui. Il y a une cicatrice sur le niveau de l'œil. C'est une très bonne question.
Tu vois pas? Non. Mais effectivement, si je regarde par rapport à l'autre, c'est un peu plus allumé, ça fait des petits traits. Potentiellement. Ok. En fait, ma lumière... C'est ça, non? Pardon? C'est en tout petit, non? Je dirais que la cicatrice, oui. Ah non, non, pour toi, je... Ah non, non, c'est en grand, mais la lumière éclaire qu'une partie, en fait. Et c'est vraiment très léger pour le reste. Ok. Vas-y, le next, la femme. Femme. Bon, c'est pas paysanne, elle est plutôt bien habillée. Elle est pas en armure. Mieux habillée qu'une paysanne. D'accord, couronne dans les cheveux. Couronne de fleurs dans les cheveux. Couteau, petit couteau qui visiblement est ressorti de son corps. Qu'il n'est pas planté. Elle le tient dans la main. Elle est morte, je pense. Je pense qu'elles sont toutes mortes. Hein. c'est... Ouais, ok. C'est bon. Qu'un seul exemple. Bah faut tout repasser quoi. Bah oui, du coup. Dague. Ok. Dague, c'est dague. Et le bas? Un poignard, dague, c'est pas. Je sais plus que je dis. En bas, c'est. Oh bah, une forêt d'arbres morts, je pense. Ok, je l'ai. Attends, je sais où il est. Fallait plus jouer à des JDR. Plus, je joue à des JDR toutes les semaines depuis environ 5 ans. Des arbres morts avec des arbres devant nous comme les sapins tout à l'heure. Oui, deux. Ah oui, quoi que au-dessus, peut-être. Un de chaque côté. Ouais, un de chaque côté. Ouais. Ok. Spence. Nice. Ben voilà, les joies du puzzle. All troops, attack the enemies. Ok, attends, parce que moi ça a bougé de mon côté. J'ai des pièces comme ça. Ah, un jeu de... ça y est, mon plateau s'est allumé aussi. Ok, all troops attack the enemy, d'accord. Il faut que je fasse quoi? Ah, d'accord, faut que je bouge un truc. Ah, ça bouge sur moi, juste de mon côté. Ok. Ok, alors attends. Ok, c'est pour ça que j'ai les trucs en vision en hauteur. Alors avance de 3. Non, t'as fait quoi là? J'ai reset. Je cherchais à quoi sert ce bouton. Ouais. Avance de 3 cases pour voir. 1, 2, 3. Ok, là, ça t'a passé. Et salut River, j'espère que tu vas bien. Bah toi aussi, bienvenue à toi. Attention que je tombe pas. Ok, donc là t'as a priori tué un ennemi. Si tu le dis. Ouais, bah écoute, avance de 1 encore. Ouais. Va 3 sur la droite. 1, 2, 3. Ok. 3 à gauche. T'as tué un autre ennemi là a priori. Mais... D'accord, 3 à gauche, ouais. Encore un, pardon. Ah. Bonsoir Gauthier, bienvenue. Deux devant. Deux devant. À gauche. L'autre gauche. Ok. Deux à droite. Un, deux. Et jusqu'au bout, devant. Et là, t'as tué tous les ennemis. Ok, j'ai un changement. Ok, effectivement, ça a changé de signe. Take down those towers and everyone in them. Ok, faut détruire les tours, a priori, maintenant. Tu veux commencer par lequel? J'en sais rien. t'as deux personnages, non, toi, normalement, c'est ça? J'ai deux personnages, hein, très intéressant. Bah, t'as quoi, toi? Ah bah, j'ai toujours un point à bouger, moi. Bah, bouge un, pour voir. Ah, ok, ça bouge des deux côtés d'un coup. Ok. Alors, attends, cela, il faut que je regarde. Avance encore d'un. À droite, de un. Tout droit. Tout droit. Tout droit, tout droit, gauche, tout droit, ok, encore tout droit, non, ah tiens, ah problématique ça, tu voulais pas détruire, reviens en arrière, t'as avancé deux cases là, mais, tu veux pas détruire les, tours? Ok, stop, bouge, putain, bah alors, je sais pas, clique, mais là, ah, ou alors faut pousser la pierre. Ok, va à droite, reviens en arrière après. Encore. Encore. Gauche. Essaye tout droit. Bah non, il y a une pierre qui me gêne. D'accord, bah excuse-moi, les deux tours elles sont décalées de deux, mais faut prendre les deux d'un coup donc. J'essaie de voir.
Je vois pas comment tu peux prendre les deux du coup. Et tu peux pas avancer. Fais droite. Droite. Non, encore droite. Avance de 1. Yes. Recule. Recule encore. Ok, c'est bon, j'ai compris. Attends, je me remets en position pour voir. Ok, gauche. Impossible. Pourquoi pas possible? Bah, je suis bloqué. Tu peux pas aller à gauche. Affirmatif. Parce que moi je te vois bloqué qu'à droite là. Bah moi je suis bloqué à gauche. Ah. Bah reviens encore en arrière. Ouais. Et à gauche encore là. Ouais. Encore. Ouais. Encore à gauche. Tout droit. Tout droit. Ah merde, non, je suis bloqué, je suis con. Arrière. Pourtant il faut que je passe à droite. À droite, non. Ouais, encore. Non, bah non, tu me renvoies sur la pierre que j'étais bloqué. Fichier ça. Ah mais c'est parce que moi je la vois pas cette pierre là. Recule. Droite. Droite. Tout droit. Tout droit. Le problème c'est que je vais être bloqué après là encore. Ah non, j'en ai une, pardon. Il fait encore tout droit. Gauche. Ah, il avance comme ça, ok. C'est bon. Tout droit. Attends, parce que du coup là je vais être décalé de 1. Donc tout droit. Droite. Ah non, je peux pas là, droite. Pas à droite, chier. Ok, bah recule. Ah bah en fait il faut que je gauche, je vais te bouger. Gauche. Derrière. Je peux pas. Comment je sors décale, parce que du coup ils sont décalés là tes trucs. Je peux reset hein, par contre. Ouais. Attends, je suis en train de réfléchir. Bah reset pour l'instant, je vais reprendre. Maintenant je sais comment ça bouge un peu plus. Je pense que s'il y a un bouton reset, c'est qu'on peut faire de la merde et on se bloque. Ok, donc là, ils ont la bonne séparation. Le problème, c'est que je vais être bloqué par des cases. Il faut que je fasse avancer de 1. Celui-là par rapport à celui-là. Tout droit. Tout droit. C'est comme je vois pas les casques qui sont bloqués pour toi. C'est chiant parce que moi je vois bien le circuit mais. Gauche. Tout droit. Non, tu es bloqué, non. Non. Ok. Tout droit. Droite, pardon. Ouais. Droite. Ouais. Non, ça va pas. Tout droit. Tout droit. Tout droit, gauche, tout droit. Ok. My sons, attack the gates. Ok, faut passer les portes maintenant. Alors. Ça a changé pour toi ou pas les dispositions? Non. Des pierres, je veux dire. Non, ça change jamais. Il y a juste le signe sur le truc qui bouge. Ok. Parce que là, il faut que j'arrive à les resserrer de 1. Gauche. Gauche. Tout droit. Non. Attends, parce que là, je suis en train d'essayer de réfléchir comment je vais passer ça. Parce qu'il faut que je passe sur deux portes. C'est du lieu. Je les fasse passer là. Ok, va à droite. À droite. À droite. Tu peux encore à droite ou pas? Oui. Bah, à droite.
Ah, non. Ok, oui. Donc ça, tu tombes du plateau par contre si tu fais ça, d'accord. My sons, attack the gate. Tout droit. Tu m'as tué. Oui, tout droit. Tout droit. Tout droit. Gauche. Gauche. Encore à gauche. Ouh, c'est peu probable. À droite. Tout droit. Ah non, j'ai fait une connerie. Ouais, non, reset, pardon. J'ai fait aller une fois trop à gauche. Tout droit. Tout droit. My sons, tout droit. Attack the gates. Tout droit. Gauche. Gauche. Droite. 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 Tout droit. Tout droit. Gauche. Gauche. Et deux fois tout droit. Ok. Maître du jeu. Victory. Wait. This was a trap. My sons, what have I done? Ok. Ah, il a dit what have I done, et c'était marqué sur le livre que j'ai vu tout à l'heure. D'accord. J'ai compris qu'il y avait un piège. Ouais, it's a trap. Oui, bah là, cette partie-là, GG. Oula! Ah, j'ai coucou! En haut à gauche. Sur le balcon. Coucou. Je t'avais point vu. Ok. Bah, je suis là. Super. Et on fait quoi? Bah, marche sur la croix, j'ai envie de te dire. Quelle croix? Ah, marche sur ce truc du centre. C'était sûr. Mais ah, c'était grinte. Sûr. Ah oui. Ah, nice, j'ai le vu. Je peux sortir par là. Et c'est un chrono. J'ai un chrono par contre. Ok. Ok. Alors, droite. Vas-y, avance, sors à gauche. Droite. Arrête-toi. Sur le truc. Non, voilà. Fallait t'arrêter sur le. Okay. On recommence. Alors, tu sors. Oh, il est chiant celui-là, attends qu'il finisse. D'accord. Si je peux choisir et c'est aléatoire. Alors, reste dessus, patiente. Mets-toi devant la porte. Ouais. Ok. Vas-y, sors. À droite. Deuxième intersection. À gauche. À droite et va sur la trappe. Ne bouge plus. Ne bouge plus dessus, t'as failli sortir dessus. Tu vas... Oh non de Zeus. Tu sais courir? Oui. C'est parti. Je vais tout droit. Ah, fonce. À droite. Fonce. Attends, droite ou gauche là? Attends. Fonce. À droite. Hop. Là. Bouge plus. T'as qu'une seule sortie de toute façon. Oui. Ready? Oui, attends, je vais partir à droite ou à gauche d'abord? Tu partiras à gauche. Ok. C'est bon, quand tu veux. Tu vas tourner à la première intersection. Ok. Go! Fonce, première intersection à gauche. Fonce, tu rentres. Tu n'as pas le choix, tu continues. Intersection à gauche. Gauche. Droite. Tu restes sur le truc. Tu bouges plus. Ah la vache! Attends, tu refais là. Là c'est mort. Là. Je pense qu'on a le plus long. Là. Ouais. Alors tu vas courir, hein? Oui. Mais du coup je vais. Ok. L'intersection ça va être par où? Gauche. Ok. Cours. Première intersection là, gauche. Cours. Première intersection droite. Cours. Droite, gauche, voilà c'est ça. Et tu t'arrêtes sur la trappe. Ok, et là le dernier est au centre, donc je pense que c'est le dernier. Alors tu vas partir. Je sens que j'ai un truc qui s'est ouvert là, moi. Mais c'est. Là, t'auras pas le choix. Je sens que je suis fermé derrière. Ne bouge pas. Je ne bouge pas. Je vois bouger, petit coup là. Non, mais je bouge pas, je suis sur place. Le plus court c'est là. Attends, il n'y a pas de mur. J'ai entendu un truc par contre. Ok. Tac. Et tac, ok. Tu vas sortir à gauche. Ok. Cours.
Gauche, gauche. Droite, gauche. Cours, 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 cours. Et tu rentres au milieu. Et tu tombes. Passage à ta. Vas-y, saute. Jogger du dimanche. GPS. Ça se casse un truc. Oula. Oula, c'est pas joli à voir. Ah, j'ai des cubes à nouveau. Et puis GG, bah merci. Attends, ça va être dur. Si vous me le faites en une fois, je me prends. Ah merde. Bon bah, alors que c'est mort. Ce sont loupés. Mais voilà. Je séchais combien. Okay, j'ai encore des cycles à mettre. Hein. Je sais plus assez. D'accord. Du coup, un autre truc s'est ouvert pour moi. Bon, ils ont dépassé une heure. Ok. Bah moi là j'ai, enfin je suis bloqué, je pense qu'il va falloir que tu me donnes des nouveaux sigles. Ok. J'avais... Donc, bah moi je fais ma suite de couloir pour atteindre une nouvelle pièce je pense. Ok, bah moi je bois un coup de bière en temps. La tienne. Ah, par contre ça fait du bruit, c'est quoi qui fait du bruit comme ça? T'as dû rentrer dans la pièce je suppose. J'y arrivais mais... Bonjour. Ah ouais, t'étais juste, je suis juste là. Coucou. Ouais, ok. Alors moi par là je suis bloqué, j'ai des sigles. Hein. Ok. Moi aussi j'ai des sigles. J'en sais rien. J'ai trois sigles. Ouais, qui tournent. Ah non, attends, moi je peux pas les tourner, pardon. Moi je peux tourner. Alors, ok, c'est toi qui peux tourner, d'accord. Par contre, alors attends, en haut j'ai une sorte d'indication avec un panneau, avec un triangle, avec un rond. Ok, oui. Je sais pas si c'est ça. J'entends du bruit par contre. Ah, ok, et qui sont allumés en dessous. Quand je fais tourner le truc, t'as un signe de ton côté? Ça bouge, ouais. Ah, yes. Ok. Tu vas me donner ton panneau. Eh bah, j'ai dit le triangle pointé vers le bas avec un rond au milieu. Et le triangle est ouvert sur le haut? Non. Tu vas me donner ton signe qui vient d'apparaître sur le truc que je viens de tourner. Un rond avec une croix au milieu. La croix dépasse le rond? Seulement un tout petit peu en haut à droite. Un tout petit peu, ouais, bah sort pas du tout en fait. Hein. Ouais, bah juste. Ok, ça s'allume en bas. Hein. Ton signe, ouais. Ok, j'ai un rectangle avec deux traits de chaque côté du rectangle. Verticaux de chaque côté du rectangle. Ok. Ok. Je pense que tu passes de l'autre côté, c'est ça? Oui. Ok, alors j'ai un carré aplati, comme s'il était aplati au sol, que tu étais debout devant. Ouais. Avec une croix au milieu qui dépasse par contre là. Ok, c'est bon. Le signe tout en haut. Ok, oh, putain il est chiant. Faut regarder en 3D, j'ai un rectangle devant, un rectangle derrière qui est plus petit du coup, et c'est, ils sont un peu décalés en 3D. Devant, derrière... Si tu les regardais, donc en fait les traits du haut et du bas sont un peu horizontaux, enfin ils sont pas horizontaux, ils sont décalés. Ils sont complets les rectangles? Oui. Ils sont complets, il y en a un dans l'autre? Alors il y en a un qui dépasse à droite du coup, enfin okay, c'est bon. Le grand passe au milieu, ouais. Du deuxième. Ok, ouais, c'est bon, signe suivant. Ok, un carré avec un rond à l'extérieur. Fermez le rond. Hé hey. Ah, point nommé, à point grillé, je sais pas si c'est ça. Trop chaud pour toi. C'est ça. D'accord. Tac. Vous avez roulé sur le jeu. Bah ça va parce que en fait, il commençait à... On a fini là? Non, je pense pas, non, quand même pas. Il commençait à me décrire et il me dit, il a un panneau dessus. Donc j'ai compris qu'il devait commencer, et vu que je tournais et qu'il avait les signes de l'autre côté, bah du coup, il devait enchaîner les signes. Le décalage d'infos permettait de... Du coup, on est ensemble, en fait. T'es arrivé par où, toi? Par derrière. Toujours. C'est fermé. Alors... Ah! Attends, c'est peut-être la lave que t'avais de l'autre côté. D'accord. Enfin, l'énigme. Ouais, mais tous ceux que j'ai vus jouer ne comprennent pas tout de suite le décalage. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Bon, toi, voilà. Est un connaisseur. J'adore les énigmes. Alors bon, après, je peux bloquer pour un truc à la con. J'essaie de tourner pour l'instant. Et moi, j'ai fait aussi beaucoup de jeux avec des énigmes, des escape games et tout ça. Ok. Là, t'as un gouvernail qui essaie de tourner. Et on peut l'aider? Il y a un ascenseur là, sinon, tout simplement. Ok.
Est-ce que tu rentres dedans, voir si j'appuie sur le haut, si tu sors ou quoi. Si jamais c'est... Ah. Voilà. Trop de poids. Je me suicide pour toi. T'es suicidé pourquoi? Non, je pouvais remonter. Oh. Hein? Je suis en train de remonter. Bah oui, t'étais en train de remonter, je suis sauté. Non, c'est quoi, j'ai appuyé sur le haut, non? On va réessayer, parce que j'ai l'impression que c'est quand j'ai appuyé sur le bouton du haut. Ça me paraissait trop simple, ton truc. J'essaye les choses, quoi, après... Attends, reviens dessus, là. Ouais. Bah, monte dessus. Ouais. Et puis on meurt. Ouais. Ouais, non, c'était bien toi, du coup. C'est juste pour être sûr. T'as senti le piège, bon. Mais des trucs au centre. Keto est trop gros, mais je... non, mais dis dedans. Je vous permets pas. Mais tu m'avais dit que tu n'aimais pas les jeux énigmes. Quand c'est trop long et je tourne en rond sans aucune solution. Et que je reste bloqué comme devant, ça finit par m'énerver. Mais là, bah, ça match. Bon, du coup. Si je peux le tourner celui-là. Ok, on peut tourner le... Ouais, mais attends, je vois pas ce que ça change pour l'instant. Ah. Bon. Qui l'a fait? Ouais, il y a un monstre là-haut, le monstre machin là qu'on a vu du théâtre. Non, tu le vois pas? Si, je le vois. D'accord. Mais il était là... Par contre, je crois qu'il y en a un qui aurait pu sortir et qu'on n'est pas sorti du tout en fait. Bon, on fait redescendre. Attends, il redescend. Mais oui, j'appuie sur le bouton. Attends pour moi. Ça se trouve, on peut sortir tous les deux là. Ah, vu qu'on s'enfonce quand on monte à deux. Si t'appuies dessus, tu montes? Non, je pensais quand t'as tourné le machin. Ah non, si tu montes. Ça prend du temps, quoi, c'est tout. Il y a un trou ici. Je comprends pas ce qu'il dit par contre. Vas-y, descends. Et là Bah toi aussi. Ah, attends, il y a un code là. Ah non, je peux juste appuyer sur monter, pas sur descendre moi. D'accord, ok. En gros, c'est le bouton d'appel quoi. Oui. Par contre, moi j'ai un... Ah, les interrupteurs qu'on a ouverts, je pense qu'il fallait les faire. Oui. T'as un nombre d'interrupteurs qu'on a... Mais du coup, comment on fait maintenant que... Ah si, je peux monter. Ah mais, il y a un trou fermé, derrière. Ouais. Je monte aussi. Ok. Ouais, il y a un truc qui cloche. Voilà, il y a un interrupteur. Mais c'était sûr. De quoi? Il faut qu'on redescende. C'est le jeu de Dizzy, mais regarde là. Ils ont même mis un monstre pour dire regarde là. Pour descendre. Attends, on en a. Et là, il y a un truc aussi marqué. Oh, on en a loupé plein. Ouais, mais j'avoue que moi je l'ai vu qu'au milieu en fait. On peut tenter celui-là. Ah, du coup, ça veut dire qu'on peut pas sortir? Mais viens me voir. Oui, j'arrive. Mais tu vas aller au milieu où il y a le monstre. Oui. Oui, il est pur. Mais et là, il y a un bouton. Donc, faudra sauter au bon moment. Ok. Et est-ce que je peux descendre? Ça sert à quoi ça? Est-ce que ça ouvre pas la grille en haut? Ah, si. Il y en a qu'un qui sort encore. Ok. Je voulais faire descendre l'ascenseur pour que tu te mettes sur le toit de l'ascenseur pour rentrer dans le truc là. Ah ouais, d'accord, ok, pardon. Mais je pensais que la roue faisait descendre l'ascenseur. Et qu'on aurait pu s'amuser avec ça. La seule façon qu'on a de descendre l'ascenseur, c'est notre poids. Y a pas de système d'objets de poids sur le jeu. Enfin, je regarde aussi un truc qui traîne. Ah, excuse-moi, je pars dans mes... Non mais vas-y. Ouais, je suis con. Oui, mais meurs pas comme ça, c'est ballot.
Ah mais si, je suis con. Ok. Monte dans l'ascenseur. Oh non, attends, je vais le faire. Ah. Eh ben voilà. Monte. Puis sur la flèche du bas dans l'ascenseur, c'est ça? Non. Non mais pour que l'autre monte dessus, je veux dire. Non, je vais monter. Tu vas rappeler l'ascenseur, je vais sauter pendant qu'il descend. Ça me paraît plus logique en fait. Tu vas monter. Ouais, je vais monter. Ah oui, d'accord, ok. Et toi, tu vas rappeler l'ascenseur. Ouais, ça y est, j'ai. Vas-y. J'appuie. Et donc du coup il doit y avoir des trucs cachés un peu partout. Et ça se trouve c'est ça qui débloque la sortie à deux. Peut-être. Vas-y rappelle l'ascenseur. On a loupé combien? On a loupé pas mal. On a même pas fait la moitié. Ah moi j'avoue que j'allais pas trouver dans toutes les salles. J'ai pas regardé dans toutes les salles. Il y en a un autre là-haut visiblement. Peux-tu appuyer sur monter l'ascenseur et ressortir aussitôt? Tu me dis quand t'es sorti. Sorti. Comme ça, ça évite de descendre. En gros, là, je te laisse partir, c'est ça que ça veut dire? Non, je vais tenter le deuxième trou. Bon, je sais pas s'il y a une deuxième manette. Deuxième trou? Ouais, il y a un deuxième trou en fait quand tu. Tout en haut. Ouais, c'est ça. Bon, on a quand même raté, hein, donc. Et du coup, appuie sur descendre. Bon bah. 1, 2, attends, il y a 6, 12. 6, 7. On a fait 7 sur 12, ça voudrait dire. Bah, j'ai pour les deux manettes, on a 7 sur 12. Pas bon, hein. Après, on ne s'est pas concentré à chercher partout des manettes. Non, j'avoue que moi je les ai vus que quand on était dans le. Dans le truc avec les épées et les boucliers là. Avant ça, je les ai pas vus. Ah, j'en ai vu dans un couloir. Prise après. Mais la logique, je voudrais que je pense que si on a tous les trucs, on peut sortir à deux et on a un succès à deux. D'accord, donc là je pense que tu peux sortir tout seul, c'est ça que ça veut dire? Oui. 7 sur 12 sans savoir, c'est déjà pas mal, bah et on fouille hein. De toute façon, on va le refaire dans l'autre sens. Je suis ouvert, c'est ça. Ouais. Ouais. Okay. Relation difficile. Des hauts et des bas. De toute façon, on a le temps de la refaire dans l'autre sens là. Ah oui. Maintenant qu'on connaît. Oh. Tu m'abandonnes encore. Est-ce que je te fais coucou quand même? Vas-y, casse-toi en plus. Ouais, mais je suis triste là, je pleure. Je triste. En plus, tu tapes des pieds quoi. Tout. Bah moins de 2 heures quand même. Et c'était prévu combien de temps? Plus de 3 heures. Ah oui. C'était 3h11 le sur Out Long to Beat. Il semble. Effectivement, ça a été. Ah, c'est quoi? Les crédits? Oui. Ah, vous êtes bon, d'accord. Bon bah on va essayer la sortie à deux. Et du coup, t'as eu quoi comme succès? Des hauts et des bas. Ah ouais, mais faudra aussi. Oh, c'est chiant ça. Bah c'est parce que tu veux être complétionniste, mais. Bah je sais pas, je veux être, je suis. Ouais, bon bah réinvite-moi en attendant.